ici. Coucou. Alors, j'ai pas vlogué depuis plusieurs jours. On est sur de l'agacement plus. D'où le fait que je n'ai pas vlogué. Pourquoi? Parce qu'on est sur le retour de la dent qui fait très mal. Encore plus, j'étais sous, pour la troisième fois, antibiotiques pendant 6 jours. Donc, ça m'a fait un bien fou. Très clairement, j'avais plus mal. Et d'un instant, tu l'arrêtes. 2 jours après, ça revient. Donc, c'est revenu hier après-midi. Mais alors? Là, j'ai mal encore tout là, j'ai mal là, j'ai mal tout ici, je n'ai pas dormi, donc je prends du paracétamol, de l'opium, je suis shootée, et ça ouvre pas avant 14h le cabinet dentaire, qui est à plusieurs kilomètres de la maison. J'ai appelé mon médecin ce matin qui était outré, et il m'a dit vous lui dites bien que je suis furieux, mot pour moi, et allez-y au culot. Franchement, là, c'est pas normal de à coups d'antibio par-ci, par-là. Non, il faut qu'il vous soigne vraiment. Donc, ce qui va se passer, c'est que ma maman va m'emmener parce que là, je peux pas conduire. Eric, ouais, non, je crois qu'il bosse encore. Et 14h, elle vient me chercher. On aura les masques dans la voiture, évidemment. Et voilà, j'y vais au culot. Je lâche pas. 3 jours. Je lui donne 3 jours pour me caler quelque part. C'est tout. J'ai un programme, là, tout le mois. Donc, parce que si j'attends mon rendez-vous, c'est dans un mois. Mais j'ai un programme de fou où j'ai besoin d'avoir toutes mes capacités de raisonnement. Il ne faut pas que je sois dans éclaté comme là. C'est juste pas possible. Bref, je continue là depuis ce matin. Je fais que des conneries. Très clairement, j'envoie des mails, mais je ne suis pas concentrée. Je vais continuer. Je vais que ça sonne. Je vais continuer là ce que je suis en train de faire. Et à 14h, je suis focus, donc je vlog, parce qu'à un moment donné, si j'attends d'aller mieux, je suis pas prête de reprendre la caméra. Vous l'aurez compris, je suis saoulée autant que vous de devoir faire des vlogs où je me plains, où j'ai mal, mais je vais pas me répéter. Voilà, c'est comme ça, c'est... Bon, bah, depuis cette dernière prise, je suis revenue. J'étais à 14h05 devant le cabinet dentaire. Tout était fermé et j'ai vu la secrétaire arriver, donc j'y suis allée et elle m'a dit « Ah, bah, il n'est pas là, il n'est pas là, il n'était pas là hier, il revient juste en coup de vent demain, donc laissez-moi votre radio et il vous rappellera. » Donc forcément, bah, je lui ai dit « Écoutez, là c'est vraiment, mais vraiment plus possible parce que le « il vous rappellera », ça ne me suffira pas, c'est « il me soignera ». Et je veux être certaine, ah non, il est débordé, peut-être, mais là c'est plus possible. Donc voilà où j'en suis, il est censé me rappeler demain, j'ai envie de vomir, je crois que ça doit être le cachet là que je ne porte pas l'opium ou j'en sais rien, je suis barbouillée. Et bah du coup j'ai rendez-vous parce qu'il faut bien en attendant des antibios, je crois que j'ai les joues toutes rouges tellement, des antibios. Donc il va me redonner, j'ai rendez-vous chez le médecin demain. J'en ai marre, c'est du perte de temps. J'ai pas que ça à faire d'aller chez le médecin, chez l'autre truc, chez machin. Faut que j'avance quoi. Et donc ma maman m'a emmenée et elle m'a dit ça te dérange pas si au retour je passe à Jardiland. Je suis tombée sur une petite déco, j'ai fait oh elle est toute mignonne, bah tiens je te la prends. Elle est jolie. C'est un petit pot comme ça et je vais pouvoir m'amuser à mettre dedans une fleur ou une petite plante, enfin une fosse, ça va être très joli. Mis là en attendant parce que je sais pas. Et là, très honnêtement, je vais manger un bout de banane. Je pense que ça fait du bien quand t'as la nausée. Et je vais me poser quoi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je plane à 10 000 oui ce matin. J'appelle. Donc j'appelle un organisme. Ça sonne. Ça décroche. Et je ne savais plus pourquoi j'avais appelé le gars. Ça craint quand même. Tellement... Et j'ai repris mes esprits au bout d'un moment. Mais voilà, ça fait hyper sérieux. Donc j'ai dit, tu sais quoi, tout ce qui est administratif sérieux, tu mets de côté et tu le feras quand tu auras retrouvé un petit peu tes capacités. Voilà. La coiffure, on est bien. On est bien. J'ai fait un test en mettant une plante là rapidement. C'est peut-être pas celle-là que je mettrai. Mais au moins, on se rend compte. Je pense qu'avec même une fleur... Ah, dans les tons roses, tendre, soit tendre ou fuchsia, ça peut être sympa. Je suis pas certaine de le laisser là, de toute façon je l'ai mis juste pour tester ici, je pense plutôt le monter dans mon bureau. Mais je valide, j'aime beaucoup. Et toi tu valides mon chéqui? Tu aimes bien? Oui. Il est 6h30, j'ai bossé. J'ai pas fait des trucs très compliqués, mais au moins je suis pas restée comme ça à rien faire parce que là ça m'aurait un peu déprimée. Eric est en conseil de classe, il devrait pas tarder, je pense que vers 6h30, 7h il sera là.
Et ah oui. Je je vais vous dire le nom de ma box. Ah bah. Il arrive. Je vais vous dire, je pense, après, parce que personne n'a trouvé et je pense que je me suis un petit peu emballée avec le... Comment le... L'indice. Alors, est-ce que vous allez me voir? Je suis vraiment près de la fenêtre. L'eau que vous entendez, c'est Jack qui est censé boire. Vous le voyez ou pas? Juste ici, mais non, il ne boit pas. Voilà, donc je vais vous donner le nom de ma box. Alors, en fait, elle va porter le nom d'une de mes créations que j'avais faites, rappelez-vous, boîte de conserve. Donc ça va être la box Le Boudoir. Et pourquoi Le Boudoir par rapport au grain de beauté? Parce qu'à l'époque, les femmes, pas toutes bien sûr, il fallait avoir ce petit endroit donc, qui était réservé aux femmes, où elles se retrouvaient toutes, ça s'appelait donc un boudoir. Et à l'époque, les femmes aimaient bien porter des mouches. Et puis ça symbolisait différentes choses. Voilà, donc bon, moi je trouvais que c'était assez cohérent l'ensemble. Vous savez, enfin, ma box va s'appeler Box Le Boudoir. Quand... Quant à ce qu'il y aura dedans, prochainement je vais vous en parler. Donc oui, non, c'est pas grain de beauté, vous serez peut-être déçus, mais grain de beauté ça n'aurait pas été de toute façon, puisque je ne vais pas faire une box de beauté, même si il y aura un petit peu quand même. Nous sommes le lendemain, il est 10h20, toujours pas de coup de fil du dentiste, mais bon, j'attends un petit peu, hein. C'est ce matin qu'il doit appeler. À 11h30 par contre, si j'ai pas de coup de fil, je relance, hein, évidemment, parce que le but c'est que je n'aille pas chez le médecin cet après-midi, quoi. J'ai trop de boulot, donc bon, de toute façon, ça, on va dire que ça va se régler. La madan, aujourd'hui, franchement, ça va, j'ai même pas pris d'antibio, j'ai préféré rien prendre, même pas de calmant. Par moment, voilà, mais si je fais gaffe, en faisant gaffe à ce que je mange, pas de froid, pas de chaud, pas de tout ça... Ça reste gérable. Là, j'ai mis ce petit haut parce qu'il faut que je tourne. Je suis un peu à la bourre, My Little Box. Il faut que je la fasse, donc je vais faire ça maintenant. Et après, il aurait fallu que j'aille en ville avant midi. Donc autant dire que faut que je me dépêche. Je ne sais pas si tout le monde a reçu les mêmes produits et je pense que ça serait intéressant d'échanger en commentaire. Dites-moi, ça m'intéresse. J'ai tourné sans lunettes. Bon, j'ai pas mis d'éclairage. Là, c'est vraiment la lumière et elle est très forte. J'ai l'impression que l'image crame un peu. Mais bon, je vais regarder ce que ça donne. Avant de tout ranger. Est-ce que vous allez voir ça? C'est un duo de bagues qui se trouvait dans la box. Par contre, il faut que je regarde l'heure, hein, parce que il m'a toujours pas appelé. Hein. Bon, j'ai terminé le montage, tout est bon. Par contre, il est 11h30. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais appeler le dentiste. Putain, je me sens pas encore. J'en ai marre de me faire balader, vraiment. D'après la radio, c'est lui qui va juger. Si vous mettre entre deux, c'est lui qui verra. Bon, bah, on va attendre le coup de téléphone du dentiste. C'est un premier thème. Ça va. Parce que voilà. Mais je sais très bien que ça peut revenir n'importe quand. Voilà, ne désespère pas, les amis. Comme ça, je vais annuler mon rendez-vous chez le médecin parce que j'ai pas le temps. Vu qu'il va lui me faxer le truc, enfin, m'envoyer. À chaque fois, j'oublie. Donc, cette fois-ci, je devais vous faire un petit retour concernant notamment les pinceaux de chez Action. Ils sont top. Très honnêtement, ils font le job. En plus, bah, ils sont super mignons. Je les ai tous utilisés. Celui-là, par exemple, je le trouve très pratique pour sculpter, mettre le blush. Ça, c'est pour mettre tout simplement ma poudre. Et les trois, nickel. Surtout le petit biseauté pour venir travailler un peu mon eyeliner. Donc, j'adore. Et aussi, j'avais pris... Alors, attends, ils sont là, je crois. C'est tous les blenders. Donc, c'est Max & More. Hein. Y a plusieurs formes. Donc, j'ai déjà essayé... Donc j'ai déjà essayé le petit qui est là, un autre, ils sont top, vraiment pour le prix, ça vaut le coup. Nickel, je vous conseille tout ça. Sur ce, je file, il faut que je parte à la supérette avant qu'Eric rentre, parce que là il est pas loin de midi, acheter 2-3 petites bricoles, et après bah, je vais continuer aujourd'hui, j'ai des coups de fil, j'ai plein de choses.